coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas trop tousser ou éternuer, mais bon, je couperai. Je m'en excuse par avance. On a toujours Gaston qui est à côté, qui est avec nous. Voilà. Alors, on se retrouve pour un tuto qui, pour moi, va être de circonstance, vu que dimanche, c'est la fête des mamans, pour faire un écrin. Un écrin à bijoux. Voilà. J'avais vu une vidéo, mais il y a pas mal de temps, je crois, de version créative qu'il avait fait. Donc, je m'en suis inspiré. Je dis inspiré, pourquoi? Parce que j'ai pris ses mesures. Voilà, après, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Mais elle, elle fait avec... pardon, ça commence. Tout ce qui est tamponnage, encre et matrice de découpe de Stampin' Up. Voilà, et moi je vais vous montrer qu'on peut adapter, hein. Tous les tutos, on peut les adapter, et vous commencez déjà à me connaître, voilà, donc avec les produits, perso de chez Action, et puis des demi-perles qui viennent de nos, enfin voilà, pas forcément de grandes marques, voilà, n'en déplaise à certaines personnes, mais c'est pour vous montrer aussi qu'on peut adapter les tutos. Alors, je vais vous montrer, je vais en faire un deuxième avec vous. J'ai déjà fait un pour dimanche, pour ma maman. Alors, je me permets de poster, de faire la vidéo, parce que je sais que ma maman, elle va pas regarder sur YouTube. Enfin, normalement. Alors, voilà. J'ai fait. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui est tombé. Avec bonne fête, maman. Donc, j'ai voulu prendre exprès un papier fleuri, là, en l'occurrence, mais chargé. Et comme ça, moi, je fais pas les tamponnages dessus. Maintenant, rien ne vous empêche de prendre un papier uni, et de faire les tamponnages que vous voulez. Donc voilà. Donc j'ai juste mis bonne fête maman avec une étiquette. Et j'ai mis 3 demi-perles nacrées rose poudrée. Donc le couvercle. Avec les petites encoches qui vont bien. Et je vous montre. Voilà. Avec plaisir d'offrir. Alors, une petite encoche pour qu'on puisse soulever. Voilà. Tout simplement. Et pourquoi il y a 2 trous ici et 2 trous en bas là? Parce qu'en fait, comme elle l'expliquait, c'est pour offrir éventuellement une parure coordonnée. Pardon. Donc c'est ce que je pense que je vais faire. Je vais aller acheter une parure. Donc vous voyez, avec des clous d'oreille, j'en avais pas là pour vous montrer. Et là, j'ai mis un ancien collier à moi. Voilà. Donc ça se soulève comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez. Tout simplement. J'ai pris en plus le papier recto verso. Donc voilà, on va faire ça. C'est parti, mon kiki. Alors, je suis venu dans les blocs, dans un bloc de chez Action. Prendre des feuilles de ce bloc-là. Je sais pas de quand il date. Voilà. Donc, tout ce qui est fleurs, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser pour mon propre personnel, donc quand je sais que les personnes elles aiment les fleurs, et ben du coup voilà, je fais des créations avec. Donc dans ce papier là de chez Action, je suis venu découper, il y a tout qui me tombe sur les pieds, j'ai ma petite feuille de pompe aussi, hein, parce que si je marque pas, je suis venu découper 3 papiers. Alors pour la serre où on va mettre qui va être porteur des bijoux, donc que ce soit les boucles d'oreilles, si vous voulez mettre qu'une chaînette, vous faites que les trous du haut. Vous pouvez mettre aussi un bracelet au niveau de la chaînette. Voilà, tout est modulable. Donc, on va venir prendre d'abord la base. Donc là, j'ai repris un papier. Vous voyez, les recto verso, donc ça va très bien. Donc, qui va faire 12,7 de large par 15,2 de long. Un deuxième papier dans le même papier. Ou uni, hein, je répète encore. Hein. Pour le couvercle, donc un papier qui va faire 11,6 par 14,1 de hauteur. Et le papier de l'insert qui va faire 9,8 de large par 11,1 de hauteur. Voilà, 9,8 par 11,1. Qui est le même papier, mais en recto verso. Ici, j'ai décidé de faire la boîte pareil. Voilà, rien ne vous empêche de, quand vous avez des papiers recto verso, de faire le support, la base comme ça, et le couvercle comme ça. C'est vous qui voyez. Encore une fois, tout est modulable. Pardon. J'attire votre attention sur le fait de bien faire attention à vos papiers quand il y a des motifs après pour qu'ils soient dans le bon sens.
Hein. Bon, là, les roses, j'ai envie de vous dire, on peut les mettre un peu n'importe comment. Bien que là, vous voyez, il y a la tige, donc ça sera comme ça. Et là, pour le couvercle, surtout, ça sera dessous, donc encore, ça n'a pas trop d'importance. Mais là, vu qu'il y a la tige, le couvercle, donc il sera comme ça. Pardon, j'étais pas dans le champ. Et celui-ci, il est uni, donc voilà. Alors, une fois après avoir découpé donc tout ceci, on va marquer des plis. Alors, je vais me munir de mon massicot. Je vais enlever ma lame de coupe parce que je me connais, je vais faire des catastrophes. Alors, hop, je vais poser ça ici. Donc, le massicot ou une plaque de rainurage, comme vous voulez, ou sinon vous marquez des points avec un crayon et vous venez faire avec une règle et un petit embout comme ceci. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc, dans le couvercle, donc c'est-à-dire le morceau qui fait 11,6 par 14,1, on va marquer sur les quatre côtés à 1,9 cm du bord. Alors, 1,9 cm du bord. Donc, moi je vais me mettre de l'autre côté pour bien voir, vu qu'il est uni, et on marque un côté 1,9. De l'autre côté, 1,9. De l'autre côté, et 1,9. Ah, faut que je me place bien, sinon ça va partir en cacahuète. De l'autre côté. Voilà. Voyez, j'ai fait mes plis. Ça, on met de côté pour l'instant. On va prendre sa base, son grand morceau. Donc le morceau qui fait 12,7 par 15,2 de hauteur. Et là, on va venir marquer donc des plis donc sur les quatre côtés à 2,5. Donc je me remets exactement pareil sur ce côté-là, vu que je vois mieux. 2,5. 2. 5, 2,5 encore, 2,5. Je plaque bien mon papier parce que des fois, hop, je marque, je le plaque pas bien, il est en biais et du coup, ça part en cacahuète. Donc voilà pour le grand côté, donc ce qui va nous servir de base. Et pour l'insert, alors on va marquer deux côtés de la hauteur, pardon, je suis pas dans le champ, excusez-moi, deux côtés de la hauteur et celui du bas. Et donc là, on va marquer des plis à 1,3. Alors, 1. On marque d'un côté, on retourne, on va marquer de l'autre côté. 1,3 toujours. Et on va marquer en bas. En haut, on fait rien, on fait pas de pli. 1,3, 1, 2 et 3. Et voilà ce que ça donne. Donc, les deux côtés. Et celui du bas. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une, je remets qu'une boîte. Hein. On a l'habitude de faire des boîtes, voilà. Donc, on se retrouve comme ça. Voilà. Maintenant, on va découper ce qui va nous servir pour faire nos languettes. Oui, on s'en occupera après. Donc, on va découper pour faire nos languettes. Alors, rien de compliqué. Sur le plus grand, donc ce qui va nous servir de base, on va venir couper. Alors, je vais vous montrer ici. En haut et en bas d'un côté. Voilà. On va venir faire un petit peu en biseauté ici et sur les extérieurs des deux côtés. On va faire pareil sur celui-ci. Je fais ça. Je vous. Pardon, je vous reprends. Alors, me revoilà à la suite d'un petit moment. Alors, je vous montre. Donc, je suis venu couper. Donc mes languettes là, là, là et là. Je suis venu biseauter ici et à l'extérieur. Là pareil, là pareil. Pourquoi on fait ça? Bah, c'est tout simplement pour qu'il y ait une finition beaucoup plus jolie.
Et j'ai fait pareil sur l'autre morceau. Comme des boîtes en fait. On vient marquer ses plis. Alors attention, il y a certains papiers de chez Action qui peuvent se déchirer. Donc faites attention. Quand ça le fait, au cas où, on plie doucement et on plie dans ces cas-là des deux côtés comme ça. Voilà. Après, on plie ses petites languettes. Une autre technique, si vous voyez que ça se déchire trop, pas que ça se déchire trop, ça se déchire pas trop non plus si on n'y va pas comme des bourrins. Celui-là, je l'ai pas fait. Hop. Et là, je pense un petit peu déchiré, vous voyez, là, le blanc. Bon, il y a du blanc autour. C'est pas grave, on vient ancrer, en fait. Et vu que moi, de toute façon, je voulais ancrer, donc, ça tombe bien. Parce que quand j'ai coupé mes papiers, je suis venu ancrer mes arêtes, pour que ça soit plus joli. Donc là, pareil, je vais venir ancrer mes arêtes. Parce qu'une fois que ça sera plié, ça va donner un petit peu de profondeur. Bon, pas les petites languettes de collage, parce que ça sert à rien, elles vont être à l'intérieur. Voilà, comme ça, ni vu, ni connu. Donc on fait pareil de l'autre côté. On vient marquer ses plis. Donc je commence au doigt. Hop. De l'autre côté. Donc j'avais l'intention de les ancrer. Ça tombe bien. Et sur ce côté-là, hop. Et voilà. Maintenant, on va se munir de colle et de petites épingles pour le maintien. Hop, et on va venir coller tout ça. Rien de compliqué, encore une fois, c'est une boîte. On vient mettre de la colle. Alors, j'utilise la Whopper Pose avec le petit bidon de précision. Celles qui ont l'habitude de faire des calendriers de l'avant, c'est exactement pareil, sauf qu'il y a des dimensions qui changent. On vient rentrer sa languette, on va y arriver, Piggy, à l'intérieur. Et on maintient avec une petite épingle. On essaie de bien se mettre bord à bord. Voilà. Tout simplement. Je fais le reste et je vous reprends. Alors, je vous reprends avant d'avoir fini de coller parce que je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite boulette. J'ai oublié de faire mes encoches. Donc là, je vais rattraper. Là, je vais essayer de me débrouiller autrement. Donc, pour les encoches, sur... Alors attendez, ça c'est le grand. Oui. Sur le grand côté. Donc ce qui va être notre base. Oui, j'ai oublié les encoches. C'est mieux, ça facilite plus. Je regarde. Couvercle. Au centre, à gauche. À gauche, à droite et sur couvercle. Voilà, alors sur la base. Donc ça c'est mon couvercle. Il me semble que je ne me trompe pas. Donc sur la base, le plus grand papier, on va faire donc des encoches. Donc vous prenez ce que vous voulez, une perforatrice. Moi j'ai une perforatrice ronde, regardez, qui est un petit peu festonnée. Donc sur le couvercle, on va faire sur les quatre côtés. Et sur la base, on va y faire à gauche et à droite. Donc sur les côtés qui sont en hauteur, à gauche et à droite. Je vérifie quand même. Alors non, ça c'est quatre côtés. Non, c'est en haut. Oui, à gauche et à droite, j'avais dit, mais en haut là. Parce que je l'avais pris comme ça. Donc on va faire en haut et en bas du coup. Et là, ça sera sur les quatre côtés. C'est pour faciliter en fait le passage. Alors, je crois qu'en fait, elle l'avait fait sur les côtés. Mais bon, c'est pas grave, moi je préfère sur le petit côté. Donc je viens placer à l'envers ma perforatrice, ou vous prenez ce que vous voulez. On va pas faire complètement le rond, on est bien d'accord, on va faire juste une encoche. Et moi là, par rapport aux petites dents là, vous voyez, et ben je me place pour que j'en ai au niveau 5 de chaque côté. Je sais pas si je suis bien clair. Donc bien droit, on essaie de se centrer bien comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 10, il faut que j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Vous voyez? Donc on fait ça ici et ici. Et je vous reprends.
Alors, je reprends pas mal de temps après. Pour la simple et bonne raison, c'est que mon couvercle, elle passait pas. Donc, il a fallu que je redécolle délicatement, que je fasse mes quatre encoches et que je recolle mes languettes. Donc, du coup, surtout, pensez bien à faire vos encoches avant de coller vos languettes. C'est hyper important. Parce que sinon, après, vous vous retrouvez dans le baba. Et du coup, ça va. Donc, voilà, mon couvercle avec les quatre encoches. Vous voyez, là et là, et mon support, donc à moi, ma boîte hein, de avec là et là, et là il n'y en a pas. Et je pense que version créative elle l'avait fait sur ses côtés, mais bon, moi j'aime bien en haut, donc au pire, vous faites comme vous voulez. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas de perforus, vous pouvez faire si vous arrivez à manier bien les dies, pardon, comme il faut, faites-le avec des dies. Perforatrice, demi-cercle, comme vous voulez, pour faire des petites encoches. Un, ça fait une petite décoration. Et deux, ça facilite quand même l'ouverture. Regardez, vous voyez, on met bien nos mains là et ça facilite l'ouverture. Tout simplement. Alors, pendant que ça sèche, on va s'occuper de notre insert. Donc, comme je vous avais dit, pardon, on avait fait un pli à droite, un pli à gauche et un pli en bas. Donc là, on va s'occuper de faire les petits trous. Donc deux ici et deux ici. Alors je répète, on en fait deux ici avec la petite encoche si on désire mettre une chaîne ou un bracelet. Et deux en bas si on désire coordonner avec une paire de clous de boucle d'oreille. Je dis pourquoi un clou de boucle d'oreille? Parce que là, ça va plier. Donc à la hauteur où on va les faire, si vous mettez des grandes pendantes, ça va pas aller. Hein, donc c'est des clous d'oreille. Si vous mettez plus haut, ça va se chevaucher, c'est pas top non plus. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez mettre qu'une chaîne, vous en faites que deux en haut. Il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, on va s'occuper de cette petite bestiole là. Donc là, vous voyez, il y a les deux carrés. Donc ces deux carrés là, on va les enlever. Alors, je vais. Et on va couper un petit peu en biais de chaque côté du trait. Vous voyez? J'ai coupé un petit peu en biais de chaque côté du trait. Hop, dans le saut à chute. Hop. Et hop. Et en haut, ici. En haut, comme ça, vous verrez. On va couper aussi en biais. Juste un petit morceau. Hein. Voilà. Ce qui nous donne ceci. En biais. Et là, on est venu couper en biais. On va marquer ses plis. Donc moi, je veux que mon insert il soit côté pardon, bois. Excusez-moi pour la toux, hein, c'est toujours une rhinite allergique. Pas s'inquiéter. Bah, c'est une vidéo un petit peu freestyle. C'est pas grave. Je désire mettre un peu de relief sur mes arêtes. Voilà. Pourquoi pas aussi casser le côté papier blanc sur le bord. Voilà. La suite. Voilà. Donc, maintenant, on va faire des repères pour pouvoir percer nos petits trous. Avant, on va faire l'encoche. J'ai failli encore oublier l'encoche. Vous voyez, cette encoche-là, c'est un truc de fou. Ben oui, parce que nos trous vont se placer par rapport à ça. Donc on reprend la même perforatrice ou dies de bordure ou comme vous voulez. On va se mettre au milieu et on va se mettre au même niveau que tout à l'heure. On essaie d'être bien centré si possible. Et hop. Voilà ce que ça donne du coup. Un petit peu d'ancrage au CC pour la finition. Et voilà. Alors maintenant, on va faire deux repères en haut, donc par rapport à notre encoche, hein, on va faire deux repères qui vont être à 1 cm de chaque ligne de pli et 1 cm du haut. Alors, 1 cm de chaque ligne de pli. On fait un petit point. 1 cm de l'autre côté, on fait un petit point. Et 1 cm du haut de notre carte. Et ça croise. Hop.
petit point là. Là et là. Ça, c'est une tache du bois. Bon, du marron même. Et en bas, on va faire pareil, deux repères. Donc, on va faire cette fois-ci un repère de 2,5 cm du pli du bas et 2 cm des plis sur les côtés. On est parti, mon kiki. Alors, 2,5. C'est ici. 2,5. Ici. Et 2 cm de notre pli. Surtout bien de notre pli. Hein. On est bien d'accord. Hein. Et 2 cm. Pardon. Décidément. Alors, j'étais pas allé au bon niveau. Hop, on va zoomer. Voilà ce que ça donne. Voilà. 2 cm sur nos plis de côté. Voilà. Et 2 cm du pli du bas. Et ici, 1 cm. Et 1 cm en haut et 1 cm sur les côtés. On prend notre petite machine pour faire les trous. Alors moi j'ai pris celle-ci parce que l'autre m'a lâché. Et ça c'est une copinette, donc Irène, qui me l'a gracieusement envoyée. Elle en avait deux. Donc je te remercie Irène si tu passes sur ma vidéo. Parce que grâce à toi, je peux faire des trous. Alors je vais essayer de vous montrer. Il faut pas qu'il soit trop gros. Ni trop petit, bien sûr. J'enlève des petits kikus. J'ai pris cette taille-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais le décaler. Je le remettrai après. Alors, je peux pas. Ah, vous voyez, c'est là. Vous voyez, un petit trou. Donc, en haut, il n'y a pas de problème. Ça passe nickel. De A. Donc on se place bien sur la croix hein. De 2 et en bas, donc vu que c'est un peu plus loin, donc ceux qui ont l'outil magique, moi vous voyez ça passe juste, donc c'est pas grave. Je plie un peu le bas, les côtés, ça va pas venir dessus de toute façon, et là forcément je peux arriver nickel. Hop, je fais pareil de l'autre côté, mon petit trou. Des fois elle fait du bruit, des fois elle en fait pas. Voilà ce que ça nous donne. Hop, je vous déplie. Voilà. En haut, donc en bas on ne touche plus. En haut, on va venir couper de l'angle jusqu'à notre trou. C'est ce qui va faire qu'on va pouvoir insérer notre chaîne. C'est une petite encoche. Donc on part de notre angle. Et on rejoint le trou. C'est comme les supports bijoutiers, hein, c'est pareil. Hein. Sauf que c'est les machines qui les font. Voilà, vous voyez. Hop. Je viens ancrer un petit peu, parce que j'ai envie. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Alors, là, après, vous faites ce que vous voulez en décoration. Mais alors, ce que vous voulez. Du coup, moi je vais peut-être partir sur ce papillon là. Oh là, il est trop grand. Il est beaucoup trop grand. Donc l'autre, j'avais fait des fleurs de coton. Là, je vais pas refaire pareil. Qu'est-ce qu'on. J'avais pas choisi mon tampon, donc c'est pas grave. On va faire celle-ci. Voilà. Celle-ci elle me plaît bien aussi. Alors, si vous avez la plateforme, vous utilisez la plateforme. Pardon, excusez-moi. Hein. C'est vraiment la vidéo freestyle complet. Hein. Punaise. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que ben, ça tamponne bien. Sinon, si vous n'avez pas la plateforme, parce que là, en ce moment, je suis un peu fébrile, donc du coup... je rate un peu les tampons, donc pour éviter de les rater et recommencer, je préfère prendre la plateforme. Si vous ne l'avez pas, bah, vous tamponnez avec un bloc acrylique et puis vous prenez vos un tapis de mousse pour que ça soit plus, plus marqué. Hop. Donc, je vais... Je change un peu là parce que c'est un peu le dawa.
Hop là, voilà. Je prends des angles de chez Action, les bleutés. Hop. Donc vous mettez les tampons que vous voulez. Si vous voulez décorer des tampons. Si vous voulez décorer. Alors pas trop d'épaisseur. Pour la simple et bonne raison, c'est que après il va avoir le bijou, donc faut pas trop d'épaisseur quand même. Vous voyez là, ça a mal tamponné, c'est ce que je vous disais. Alors c'est pas de la faute du tampon, hein, parce que celui-ci d'habitude il se tamponne très bien. C'est moi où j'ai pas mis d'encre, où j'ai pas assez appuyé. Voilà, du coup, ni vu ni connu. Avec la planche, c'est vrai que ça se fait très bien. On a 25 minutes. Mais bon, faut le temps de faire le tuto. Hein. C'est vrai que c'est pas. Ça se fait pas comme ça non plus. Hein. Là, je vais en mettre une petite comme ça. Hop là. Bon, vous décorez comme vous voulez. Hein. Je finis la déco à part et je vous reprends. Me revoici. Oui, sinon ça allait durer trop longtemps. Donc voilà. Je suis venu tout simplement faire comme ceci. Alors, n'oubliez pas de rester dans le cadre. Parce que là, ça va être pillé. Donc on n'y verra pas. Je suis venu faire prendre une petite étiquette que j'ai d'avance, fait d'avance, marquée plaisir d'offrir. Que je vais venir coller ici. Avec ma loupe à pose. Oui, je voulais souhaiter aussi la bienvenue à mes nouvelles abonnées, parce que j'ai vu que j'avais des nouvelles abonnées. Donc je vous remercie, j'espère que ça vous plaira, le contenu. N'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime, à surtout à commenter, parce que du coup, j'aime bien interagir, comme je disais, avec enfin, tout au long de mes vidéos, en fait. Et là, j'ai prévu une autre étiquette, mais bon, vu que je ne sais pas pour quelle occasion ça sera fait, je vais pas mettre ni bonne fête, ni joyeux anniversaire. Enfin, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour une communion, ça peut être voilà, juste plaisir d'offrir aussi. Voilà. Donc, je l'ai préparé, et puis j'utiliserai en temps et en heure. Bon, là, je pense que nos boîtes, elles sont sèches. On va pouvoir enlever tout ceci. Voilà, et puis rien de compliqué. Donc, on va refermer, replier un peu nos petites languettes. Hop. Alors, on va quand même que ça soit. On vient la mettre dedans. Et donc ici, ça sera dedans ce sens-là. Alors, c'est dans ce sens-là que j'avais dit. Alors, au début, des fois, c'est pas tout à fait facile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là? Bien sûr, en tuto, ça veut pas le faire. Ou c'est moi qui m'y prends mal. J'ai dû faire un peu trop juste ou il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Alors des fois, vous voyez, il faut un petit peu faire comme ça pour pouvoir faire en sorte qu'elle se ferme. Voilà. Ça risque pas de s'en aller. Hein. Voilà. Donc, hop. Là, je vais pouvoir coller mon étiquette dessus comme ça. Ça sera fait. J'avais dit... Oh, oui, c'est pareil, oui. Oui, je pars dans tous les sens, donc. Comme ça, j'aurais plus qu'à marquer après. Mais pourquoi du comment? On essaie de se mettre droit. Voilà, si vous voulez rajouter des demi-perles, vous pouvez. Si vous voulez... Alors, celle-ci, elle a du mal à se fermer. Il y a dû avoir un couac. Pardon. Il y a dû avoir un couac au niveau de mes mesures. Je ne devais pas être droite, à mon avis. Pourquoi donc? Vous voyez comment je bataille? Attendez, je regarde et je reviens. Voilà, je vous reprends. Bon, bah écoutez, j'ai dû avoir... vous voyez, là, j'ai mal collé. Je vois que ça... à mon avis, c'est ce qui doit faire que ça...
Ça gêne un petit chouille. Voilà. Mais bon, toutes les mesures sont bonnes. Hein, parce que regardez, ça c'est la première que j'ai fait. Et ça s'enlève. Et remet très bien. Donc, où je me suis trompé et j'ai pris. Il faudrait pas que je me sois trompé et que j'ai décidé. Non. Non. Au cas où, parce que vous savez, avec moi, rien ne m'étonnerait, hein. Mais je sais pas pourquoi. Bon, elle force un peu plus celle-là. Voilà, et après, bah, vous décorez comme vous voulez. Si c'est du papier uni, vous décorez comme vous voulez. Oui, c'est de ce côté, je pense que ça bloque un peu. Donc voilà. Et vous voyez celle-ci, donc pour ma maman ce week-end. Dimanche, je vais pouvoir lui offrir. Hop, hop, hop. Une jolie boîte avec une carte qui accompagne. Bonne fête, joyeux anniversaire. Le mariage, ce que vous voulez, et voilà. Et eh ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, sincèrement, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous, que votre santé se rétablisse pour les personnes qui vont pas très bien. Et puis, ben, faites ce que vous avez envie. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est le plus important. Allez, je vous laisse. Gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao, les loulous.